Hubert Védrine, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous avoir rejoints ici à Bordeaux, à la librairie Mola, pour parler de ce livre que vous avez dirigé, un livre sur la diplomatie, hein, des portraits de grands diplomates. Voilà, vous avez une vingtaine de contributeurs qui ont travaillé avec vous pour établir ce livre sur les maîtres des relations internationales. Alors, c'est un livre d'histoire, mais aussi un livre assez contemporain, puisque d'abord, on a parmi les 20 portraits que vous dressez encore un diplomate en activité. Il s'agit de Dmitri Lavrov, le ministre des Affaires étrangères de Vladimir Poutine. C'est le seul, d'ailleurs, je crois, qui est encore en activité. Mais nous démarrons ancienne, puisque nous démarrons au XVIIe siècle avec Mazarin, hein, donc Mazarin, le régent, dont le portrait est tout à fait passionnant. On voit que cette longue galerie de portraits donc nous emmène sur le chemin de l'art de la diplomatie, alors que vous connaissez bien sûr de façon très professionnelle. Vous êtes tout le monde sait donc que vous êtes ancien ministre des Affaires étrangères. Vous avez exercé donc sous la cohabitation Chirac-Jospin donc entre 1997 et 2002 pendant presque 5 ans. Donc c'est une belle longévité dans ce métier. Il est nécessaire d'ailleurs puisque la diplomatie c'est aussi le temps long. Vous présidez toujours l'Institut François Mitterrand et puis vous êtes un expert donc toujours très écouté sur les relations internationales. Alors d'abord peut-être Hubert Védrine, peut-être un mot sur la genèse de cet ouvrage, les éditions Perrin dont le patron Benoît Hiver est dans cette salle donc et que nous saluons donc a lancé ce projet, donc c'est tout de suite tourné vers vous. Alors comment avez-vous travaillé pour dans quel objectif et comment a-t-on procédé au choix de ces 20 figures qu'on va détailler un petit peu tout à l'heure, voilà, puisque évidemment la difficulté a dû être de choisir, hein, et de sélectionner, et donc forcément d'éliminer. Alors d'abord je suis un peu enroué puisque je parle tout le temps trop. On va essayer que ça fonctionne quand même. Deuxièmement, je suis content de me retrouver ici dans cette salle. Je suis déjà venu. La librairie Mola, ça devient une sorte de rite. Et je serais ravi que ça continue, d'ailleurs, à l'avenir. Ensuite, c'est en effet Benoît Hiver, qui est quelque part là, qui a eu l'idée, qui est venu me chercher. Il avait l'idée, j'ai trouvé ça très bien, par passion de l'histoire. Et parce que je pense que pas que les diplomates, c'est plus que ça, c'est les concepteurs de la politique étrangère, globalement. Mais c'est pas la numéro 1, vous voyez. On ne parle pas de Churchill, par exemple. On ne parle pas des rois, ni des dirigeants, des kaisers. On prend les grands ministres. Alors, c'est parfois des diplomates, parfois pas, mais ils ont encore plus. Et ça, j'ai pensé qu'ils avaient beaucoup, beaucoup à nous apprendre encore, même du 16e au début du 21e. Pourquoi? Parce que vous voyez bien qu'en dépit des espérances des gentils Européens depuis plusieurs décennies, alors bien que j'appelle en général les bisounours perdus dans Jurassic Park. Bon. Alors, en dépit de ça, vous voyez bien qu'il n'y a pas de communauté internationale. Vous ne vous sentez pas en communauté avec Poutine. Même les gens qui aiment la Russie, malgré tout. Vous n'êtes pas en communauté avec les islamistes. Donc on est dans un monde qui est une foire d'empoigne. On en parlera. Mais donc on ne peut pas appliquer les pensées optimistes, sympathiques, automatiques qui s'étaient développées depuis 20 ou 30 ans. Mais on n'est pas non plus dans la guerre froide. Parce que c'est plus compliqué que la guerre froide. Il y avait l'Est, l'Ouest, le Sud. Là, c'est assez compliqué quand même. L'Occident, la Russie, la montée de la Chine, le Sud global qui est en fait hétéroclite, avec des tas de pays qui ont leur propre ligne, comme l'Inde, la Turquie, c'est assez compliqué. Donc c'est pas sans intérêt de revenir aux époques où les gens qui gouvernaient le monde, bien ou mal, enfin, c'est un fait, les Européens. Comment est-ce qu'ils géraient les relations entre eux? Est-ce qu'ils géraient par l'équilibre des forces, par des compromis, par des attaques? Et donc, ils ont beaucoup à nous apprendre, les uns et les autres. Alors, il y en a qui sont archi-connus, qu'on croit connaître, comme Talleyrand, mais il y a plein d'aspects qu'on ne connaît pas, qu'on croit connaître et ne pas aimer Bismarck, mais c'est plus compliqué. Mais même dans les ministres français, qui connaît bien Barthoux? Alors, s'il n'avait pas été assassiné, la suite aurait pu être différente, peut-être. Et les gens mélangent Choiseul et Vergennes sous l'ancien régime. C'est pas du tout la même politique. Voilà. Donc, je pense que c'est en dehors
de la passion de l'histoire qui est la mienne, qui est évidemment celle d'Hiver à la tête de sa maison, mais que vous devez partager, c'est utile. Ça peut avoir un intérêt presque contemporain. Alors après, on s'est mis d'accord sur une liste. On pouvait mettre 2-3 noms en plus. Hein. On pouvait ajouter tel ou tel ministre. Il faut prendre des gens qui ont fait ça longtemps. Hein. Donc c'est l'époque d'avant. C'est pas l'époque où les ministres changent tous les matins. On sait même pas leur nom. Donc il y a un élément différent. Donc on s'est mis d'accord en gros. On pourrait ajouter un nom ou deux. Bon, on verra. Et après, on a choisi les auteurs. Alors, il y a beaucoup d'auteurs excellents de la Maison Perrin, mais il y a aussi des experts, enfin, eux-mêmes sont des experts, il y a même des diplomates de métier, par exemple Bernard de Montferrand, qui a écrit sur Vergennes, Sylvie Berman, qui a écrit également, que vous voyez peut-être dans des débats d'information. Qui a été ambassadeur à Moscou et donc qui a écrit Lavrov. Hein. Qui a été ambassadeur à Londres, à Moscou, et qui a écrit le Lavrov. Alors, non pas qu'on aime Lavrov, hein, je veux pas qu'il y ait d'ambiguïté, mais il aurait été absurde de faire un tableau des grands ministres qui ont marqué, en étant notamment là longtemps, sans mettre Lavrov, qui lui est là depuis presque 20 ans. Donc voilà pourquoi il est là. Donc voilà la genèse. Bon, après, ben, les auteurs ont été super sympas, hein, ils ont adoré être associés à ça. Madame Berthière, qui est la spécialiste de Mazarin, qui est très âgée, mais elle a fait un effort magnifique pour écrire ça. Et après, on aurait pu mettre Richelieu, qui est un géant, qui arrive avant, très bien décrit par Kissinger, mais il est tellement, tellement connu que c'était pas... Bon, on a pu commencer à Mazarin. Et après, bah, c'est le métier d'éditeur, si je joue de co-éditeur ou d'éditeur improvisé, comme moi. Donc les textes ont tourné, et on a fait... Je crois qu'Hiver et moi, on a réussi à ce qu'il y ait un certain style commun, une certaine continuité. D'ailleurs, un des bons articles sur le livre, dès le début, je crois que c'est dans le Figaro, disait que d'habitude, les livres collectifs sont rasoirs, quoi, ou ratés, et que là, non. Bon, voilà comment on a fait. Vous avez cité Kissinger, donc je vais tout de suite aller sur ce personnage quand même assez fascinant. Il vient de fêter ses 100 ans. Donc, non, il est mort. Voilà. Et donc, il a d'abord fêté ses 100 ans. Ça a été un grand événement. Et puis, donc, il a réussi à fêter ses 100 ans. Il est décédé juste après. Alors, on se souvient qu'en 1994, il avait publié un livre qui est toujours une référence. Hein, s'appelle Diplomatie. Alors, c'est pas le seul de ses livres. Il continuait à fasciner parce qu'au fond, ses théories, sa pratique et ses théories semblaient toujours valides dans un monde qu'il avait quitté depuis 20-25 ans. Alors, c'était évidemment inimaginable de ne pas parler de lui. En quoi est-il vraiment un modèle dans ces grands diplomates, ces grands négociateurs qui non seulement donc mènent une diplomatie, mais ont une ligne de conduite et parviennent à organiser un système. Qu'est-ce qui vous fascinait chez lui et... Non, il faut distinguer Kissinger, professeur, mais après conseiller pour la sécurité nationale de Richard Nixon, puis secrétaire d'État de Nixon, puis de Ford. Ça, c'est le Kissinger au pouvoir. Bon. Et il y a d'autre part les livres de Kissinger, la pensée de Kissinger. Il faut dissocier les deux. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont très, très sévères sur Kissinger au pouvoir. Alors, évidemment, il y a un coup d'éclat génial. C'est le fait d'arriver à briser la relation URSS-Chine, de retourner les choses et de déclencher la politique chinoise des États-Unis qui a été menée jusqu'à Trump, en gros. Donc c'est énorme, énorme. Mais dans les gens qui attaquent Kissinger, ils disent qu'il a un rôle monstrueux en Indochine, parce qu'il a décidé, en fait c'est Nixon, enfin les gens mélangent les deux, d'élargir la guerre d'Indochine au Cambodge, parce que les Nord-Vietnamiens faisaient passer les armes par le Cambodge. Donc ils ont renversé le régime, bref, ça a créé le chaos au Cambodge. Certains disent que ça conduit au Khmer Rouge. Bon, c'était pas du tout le but, enfin bon. Donc il y a un débat. Sur le Chili, il y a un débat sur le fait que... Le régime d'Allende, qui était malheureusement d'ailleurs minoritaire, en réalité, était renversé par le putsch que l'on sait, et donc il y a des attaques. Il y a d'autres sujets. D'autres disent, au Proche-Orient, il a fait des tas de navettes qui n'ont servi à rien, alors qu'il fallait être un peu plus dur avec les deux camps. Donc il y a un débat. Donc on ne peut pas dire Kissinger, ministre, fait l'unanimité. Mais les travaux, notamment diplomatie, qui est sa thèse un peu prolongée, sur le congrès de Vienne. En fait, c'est plus large que le congrès de Vienne, parce qu'il commence précisément à Richelieu, qui met en tête de tout. C'est Richelieu, selon Kissinger,
qui a compris que la communauté internationale de l'époque, en fait, il n'y en a pas, mais à l'époque, il y avait une volonté de communauté internationale par le pape, sous ses ordres, et de l'Empire, sous ses ordres. Et Kissinger a dit, non, c'est Richelieu qui a compris que ça allait être une Europe des nations, qui allait gérer les relations entre elles, donc il le place très, très, très haut. Et Mazarin est un génie, alors pour le coup, de la diplomatie, de la finesse, qui a mis en œuvre les idées de Kissinger, notamment à travers les traités de Westphalie, il y en a trois, dans lesquels l'Allemagne était maintenue en état de division, avec des dizaines de principautés, de duchés, de trucs. Alors évidemment, il a reculé de, on va dire, deux siècles, l'unification allemande. Qui a été faite donc par un autre personnage qui est dans le livre, qui s'appelle Bismarck, évidemment. Kissinger, lui-même allemand d'origine, trouvait ça génial. Mais le livre, c'est en effet Diplomatie et les autres livres, parce qu'il a écrit après sur la Chine, sur l'intelligence artificielle, sur les grands leaders qu'il a rencontrés dans sa vie, enfin plein de choses. Donc il a continué à fasciner. Il n'est jamais sorti du jeu. Hein. Il n'était plus ministre depuis 107 ans. Mais par exemple, l'année du centenaire, le président chinois l'a invité, donc à une sorte d'avion hôpital qui a emmené Kissinger à Pékin. Donc il est resté dans le jeu. Et tous les dirigeants trouvaient flatteur que Kissinger veuille les voir. Donc il y a une sorte de travail énorme de mise en scène, en fait. De mise en scène, alors que l'autre personnage très influent, Brzezinski, qui est dans le livre aussi, conseiller de Carter, que vous avez tous oublié, mais un conseiller important, il a eu une influence énorme sur la question Ukraine-Russie, on en parlera si vous voulez, et sur la question Afghanistan-Taliban-islamisme. Une influence peut-être plus grande que Kissinger, en vrai. Mais c'était un prof plutôt réservé, donc il n'a pas fait la mise en scène géante pendant des décennies. Et comme Kissinger, d'ailleurs, c'était un diplomate d'origine européenne, hein, il était polonais. Un diplomate, c'est des ministres. Il était polonais, donc d'origine, oui. Comme Kissinger, lui, était allemand d'origine. Donc, évidemment, comprenait évidemment très bien, il était très tourné vers les modèles européens. Et donc, vous avez cité Kissinger parlant du Congrès de Vienne. Alors, le Congrès de Vienne, c'est essentiel pour parler de cette société internationale donc du début du 19e siècle. On sait que le Congrès de Vienne, ça consiste à solder les guerres napoléoniennes et à réorganiser l'Europe à ce moment-là, donc qui est un peu chamboulée, avec le rôle magnifique de Talleyrand qui représente une France vaincue, mais qu'il va réussir à réinviter un peu dans le concert des nations, et puis ce grand diplomate autrichien qui s'appelle Metternich. Alors, en quoi le Congrès de Vienne reste-t-il un modèle de discussion diplomatique et une référence pour tous ceux qui réfléchissent sur les relations internationales ? À la fin de Napoléon, les puissances qui avaient gagné contre Napoléon, à la 8e coalition, je crois, 7e ou 8e, ça fait... Bon, bref, Napoléon est vaincu. Et donc, il faut organiser l'Europe en mettant la France sous tutelle. La France est un pays complètement dingo, dangereux, qui a produit une révolution avec des drames monstrueux partout. Donc, il faut les surveiller. Donc, le Congrès de Vienne est réuni pour mettre la France sous surveillance. La France occupée. Il y a des troupes russes sur les Champs-Élysées. D'ailleurs, le mot bistrot vient de là, parce qu'en russe, ça veut dire vite, 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 quand on commande une bière ou un café. Bistrot, vite. Bon, alors, il y a ça, et Louis XVIII qui est revenu, choisit Talleyrand, il s'en méfie, mais enfin, il n'y a pas plus génial que Talleyrand, et il l'envoie en disant, il faut sauver les meubles. Et Talleyrand est tellement astucieux qu'à Vienne, il arrive à retourner la situation. Et à dire à l'Autriche, la Prusse, la Russie, la Grande-Bretagne, mais pourquoi vous voulez mettre la France sous tutelle ? Napoléon n'est plus là. L'origine du drame, c'est Napoléon, il n'est plus là. Donc la France est partie prenante. Donc la France sort de Vienne avant qu'il y ait les 100 jours, parce qu'ils reprennent l'ordre, mais ils font un traité plus dur, du coup. Donc les 100 jours, ça a aggravé les choses pour la France après. Rappelons que Napoléon est encore une menace quand même. Il est, voilà, il est à l'île d'Elbe à l'époque. Mais c'est vraiment une menace monstrueuse pour les autres. On est compte, il a fait 8 coalitions pour l'abattre. Bon, alors donc Talleyrand arrive et parle toute une série de ruses. Alors pour le coup, c'est de la diplomatie, en vrai. Plus l'astuce, plus les relations humaines et sociales. Il a avec lui sa nièce, qui est peut-être sa compagne, qui est la duchesse de Dino, qui est une femme merveilleusement belle, rayonnante, polyglotte, tout ce qu'on veut, bon, etc. Et puis il y a la diplomatie gastronomique, un peu, parce qu'il fait venir du brie tous les jours.
Le Brie, au sens... Il a un excellent cuisinier sur place. Hein. Parce qu'ils reçoivent sans arrêt. Et il dit, on va... il faut que le fromage des rois... Le roi des fromages, pardon. Le roi des fromages devienne le fromage des rois. Alors, on sert du Brie à l'empereur, tout ça. Bon. Et alors, il réussit par ruse en disant, mais vous êtes coalisé contre qui? Donc la France devient partie prenante d'une sorte d'ordre européen qui va durer quasiment tout le 19e, même s'il y a eu la guerre de Crimée, etc. Donc c'est alors il y a plein de gens qui trouvent Talleyrand effrayant de prévarication, tout ce qu'on veut, mais le moment de Vienne est considéré par tous les professionnels de la diplomatie du monde entier comme l'archétype. Mais pour ce moment-là. Mais pourtant, il n'a pas en face de lui des enfants de cœur, puisqu'il a en face de lui Metternich, qui est lui aussi un personnage de très grande envergure. Qui est dans le livre. Voilà, bien sûr, c'est même... Voilà. Oui, mais ils sont convaincus par l'idée de Talleyrand. On a intérêt à mettre la France nouvelle, celle de Louis XVIII, avec nous pour gérer l'ordre européen. Parce que si ça explose dans tous les sens, il vaut mieux qu'on soit tous ensemble. Ce n'était pas évident qu'il arrive à les convaincre de ça. Alors à l'époque, on a une sorte de syndicat des puissances, mais ils ne sont pas très nombreuses. Hein. Vous dites, il y en a quoi, 5, 6, une dizaine au grand maximum. Si non, il y a des petits, mais les principaux, c'est la Russie, la Prusse, l'Autriche, la Grande-Bretagne, enfin le Royaume-Uni. Et la France, donc. Hein. Donc ça fait... Non, la France après. Voilà. Et donc ça fait pas beaucoup, quoi. Donc ça veut dire que tout le monde se connaît. Il y a des liens. Tout le monde se connaît, tout le monde parle français. À l'époque, ce qui est la langue des relations internationales. La langue des monarchies, des cours, bien sûr. Donc ça facilite, mais enfin, il n'y a pas que ça. Il faut aussi un peu de génie dans l'affaire. Donc voilà, c'est un moment... Alors, dans les autres, il n'y a aucun qui soit un modèle globalement. Mais dans toutes les personnalités, on peut regarder, on peut s'inspirer. Par exemple, moi qui suis réaliste de culture, et je pense que la France se gargarise trop avec ses valeurs universelles et compagnie, bon... Je pense que la France n'est pas assez réaliste, elle est trop chimérique et c'est un vrai handicap. Moi, j'aime bien Vergennes, qui représente qui est le ministre de la monarchie au moment de l'apogée, hein, quand même. Donc, c'est le grand ministre de Louis XVI. Et donc, c'est Bernard de Montferrand qui écrit donc ce chapitre. Il a d'ailleurs donné une biographie il y a quelques années que vous avez certainement lue. Voilà. Donc, un ministre remarquable qui vraiment est pour l'équilibre. Lui, il a cette vision réaliste aussi, mais où il pense que la France doit, à un moment donné, être raisonnable et ne pas vouloir tout casser si elle le peut. Et donc, gérer ses relations avec l'Angleterre, évidemment, qui est la puissance de l'époque, la puissance dominante avec la France, et surtout faire très attention à cet équilibre qui est aussi un fil rouge du travail de tous ces diplomates, trouver des équilibres, toujours. Alors, encore une fois, ce n'est pas des diplomates au sens courant, ce n'est pas des ambassadeurs bilatéraux, hein, c'est des concepteurs. Oui, c'est ce que vous avez dit, oui. Et donc, Vergennes, qui est là au moment où la France est dominante, en fait, elle est encore dominante. Bon. Alors, il y a une tentation d'aller plus loin, parce que la France a déjà... Il y a déjà l'influence des Lumières. On a une vocation universelle. Vous voyez ce genre de raisonnement. C'est à la fois, disons, émouvant, acceptable sur le plan philosophique ou moral, mais en pratique, ça se discute. Bon. Donc, il y a des courants qui sont des courants expansionnistes, universalistes, colonialistes, même si la première colonisation est assez différente de celle qui se développe dans le 19e. Et donc, il faut conquérir ceci, cela. On est en rivalité avec tout le monde. Et Vergennes dit non. Notre pays est au sommet. On n'a pas besoin de conquêtes territoriales nouvelles. Ça, c'est pas évident, hein, parce qu'il n'y a pas d'opinion publique comme aujourd'hui. Mais il y a quand même des courants à la cour. Il y a quand même des journaux. Il y a plein de choses. L'encyclopédie. Et il a même une formule que j'adore. Moi, qui trouve qu'on est trop excité par nos formules creuses, il dit « Je combats les idées métaphysiques ». Ça veut dire les valeurs qui sont les nôtres. En gros, vous connaissez la formule en un seul mot. Les valeurs qui sont les nôtres. Elle a dit oui, bien sûr, on est pétri par nos valeurs, par notre philosophie, mais on n'est pas complètement les maîtres du monde, donc il faut trouver un équilibre. Donc j'aime bien cette approche qui me paraît, en gros, je ne parle même pas de l'affaire Ukraine, ça c'est plus compliqué, mais en gros, ce que devraient faire les Occidentaux aujourd'hui dans le monde. Vous voyez, donc il y a des choses à tirer. On peut penser l'inverse, c'est-à-dire Choiseul, c'est plutôt l'inverse. Donc il y a plein de choses à apprendre et à discuter, mais vous voyez, c'est pas que de l'histoire préhistorique. Il y a des sortes de liens avec des questions d'aujourd'hui. Là,
Je m'apesantis une seconde sur Vergennes, mais c'est vrai, oui. c'est vrai que à l'époque où il exerce la diplomatie du roi, il y a la question de l'Europe, de l'équilibre en Europe, mais il y a aussi la question de l'Amérique. Enfin, puisque... Oui, pas l'Europe au sens moderne. Hein. Enfin, oui, enfin l'Europe, l'espace européen. Non, mais il y a aussi la guerre d'Amérique où justement la France a des intérêts contre l'Angleterre et où il faut évidemment prendre des décisions pour savoir est-ce qu'on va combattre les Anglais de l'autre côté de l'Atlantique, comment est-ce qu'on gère cette relation qui est extrêmement compliqué. Donc Vergennes, le rôle de Vergennes est très important à ce moment-là pour tempérer. C'est d'ailleurs ce qui a ruiné la monarchie. Hein. Alors, il y a évidemment les dépenses extravagantes de la cour, mais c'est moins cher que la guerre. D'ailleurs, il y a quelques années, quand j'étais ministre, je parlais beaucoup avec mon ami Madeleine Albright, qui était secrétaire d'État des États-Unis. Qui n'est pas dans le livre, mais vous avez justifié le. Non, mais il n'y a pas de contemporain. Hein. Oui. Il n'y a pas de vrai contemporain, sauf Lavrov, parce qu'il est là depuis 20 ans. Bon, voilà. Mais il y a d'autres Américains qu'on pourrait mettre. James Baker, par exemple, qui a été le grand ministre de George Bush, père. Bref, un jour, je m'oppose à Madeleine sur je ne sais plus quoi, d'ailleurs. Je dis, je ne peux pas voter ton texte. Il me dit, mais c'est honteux, c'est atroce, tu trahis Lafayette. me dit Madeleine. Alors, on était assez copains, comme on se parlait beaucoup. Mais je dis, mais en réalité, au départ... On n'est pas du tout intervenu pour aider l'Amérique. On fait ça uniquement pour gêner la Grande-Bretagne. C'est une concurrence à la Grande-Bretagne. Et je lui ai même dit, d'ailleurs, si on avait su ce que vous alliez devenir, cette espèce d'empire arrogant, dominateur, tout ça, je pense qu'on ne vous aurait pas aidé. Alors, mais c'est monstrueux ce que tu dis, c'est atroce, c'est cynique, blablabla. Puis après, il éclate de rire parce qu'on aimait bien discuter comme ça. Donc ça revient à la période dont vous parlez. Alors il y a cette période, donc on a parlé du congrès de Vienne, il y a cette période de l'équilibre européen, 19e siècle, et puis à un moment donné, les choses vont changer. Quand est-ce que les choses changent vraiment? Quand est-ce que cet équilibre européen, quand est-ce que ça se mondialise? Quand est-ce que ça devient plus compliqué? Quand est-ce qu'il y a vraiment un basculement dans la façon de faire la diplomatie, dans le nombre d'acteurs qui intervient, dans l'extension du nombre de problèmes à régler? Est-ce que vous voyez le basculement? Il y a un moment où, à mon avis, on perd l'équilibre, mais il n'y a pas de mondialisation. On est en pleine époque de colonisation. Alors pourquoi quelques pays européens ont réussi à recoloniser les trois quarts du monde? C'est une sorte de mystère historique. Pourquoi ils se sont laissés coloniser? Pas tous, d'ailleurs. C'est un autre mystère historique. Mais en tout cas, à l'époque, il n'y a pas la grande vague de décolonisation des nouveaux pays. C'est un siècle plus tard. Donc, à mon avis, il y a une vraie rupture quand Guillaume II vire Bismarck. 1890. Oui. Alors Bismarck, les Français l'aiment pas, mais il était très fort. Il a imposé ce que Richelieu avait repoussé. Il a réussi à réunifier l'immense monde germanique, d'abord en vainquant l'Autriche et en piégeant Napoléon III, dont le bilan intérieur est formidable hein, pour la France. Mais le bilan extérieur, il était trop interventionniste, brouillon, tout ça. Bon. Et il s'est fait avoir par Bismarck. Bon. Donc il impose l'unification allemande, même pas la réunification, c'est jamais arrivé avant, hein. L'unification. Donc là, c'est très important. Mais au bout d'un moment, Guillaume II, qui veut exercer son pouvoir à lui, d'empereur, tout ça, et qui est obsédé par le fait de conquérir la suprématie navale contre la Grande-Bretagne. Ce n'était pas l'idée de Bismarck, en fait, qui était plus... Il avait gagné, il était plus réaliste. Et donc l'empereur vire Bismarck. Et là, il démarre un truc qui conduit à la guerre. Il est très responsable, Guillaume II. Alors Bismarck, et les Français l'aiment pas, mais du point de vue des intérêts allemands, oui, il a défendu les intérêts allemands, forcément. Mais je pense qu'on peut avoir un jugement plus... D'ailleurs, il y a quelques années, Arnaud Montebourg, qui est un ami, a été furieux contre Madame Merkel, qui avait déclaré, je sais plus quoi. Et il dit dans une radio, c'est monstrueux, elle est comme Bismarck. Alors, une radio allemande m'interroge et je dis elle ne mérite pas un tel éloge. Non, pas que j'aurais été content que Napoléon III soit plus malin face à Bismarck, bien sûr. Mais il faut distinguer, puisque vous me demandiez quel est le moment où ça se déséquilibre, la mondialisation viendra plus tard. D'ailleurs, après la guerre de 14-18, une sorte de suicide européen, la négociation est clé, il y en a plein, il y a plusieurs traités. La négociation, c'est entre le président Wilson, américain, qui est un idéaliste, etc., Clemenceau, et Lloyd George.
le Britannique, un peu l'Italien. Alors après, il y a la terre entière qui est là, mais c'est eux qui négocient. Donc la mondialisation vient plus tard. Il me revient une anecdote sur Bismarck qui a trait à notre région. Bismarck aimait bien venir à Biarritz. Et on dit qu'en 1865, il avait failli se noyer sur la plage de Biarritz. Et donc, c'est l'impératrice Eugénie qui avait envoyé un maître nageur pour le sauver. Donc, voilà, le monde aurait été bien différent, sans doute. Vous le regrettez, hein ? Pas du tout, non, mais je me rappelle cette anecdote. Je me dis que, voilà, l'histoire de l'Europe en aurait été transformée. Oui. Voilà. Mais en tout cas, il s'est bien repris, puisqu'en 1870, avec la dépêche d'Ems, il va coincer Napoléon III et le défaire à Sedan, et ensuite donc tout va s'enchaîner jusqu'à la guerre de 14. En jouant d'ailleurs d'une manipulation de l'opinion. Parce que dans les batailles modernes, il faut être capable de manipuler l'opinion des autres. Et alors c'est la première fois qu'on a une manipulation de ce type J'en sais rien, peut-être que la guerre des Gaules par Jules César, c'est déjà une manipulation, le texte. Mais enfin, ça prend des proportions géantes au XXe siècle. Alors, il y a un fil rouge dans le livre, c'est que la diplomatie, c'est l'art de la négociation, mais c'est aussi l'art de le faire de façon discrète, de façon secrète aussi. Il y a de la diplomatie secrète, de le faire donc dans un cadre où, on peut discuter sans pression entre puissance antagoniste, entre belligérants, puissance antagoniste. Et puis, à un moment donné, cette possibilité de négocier dans le secret, elle disparaît parce qu'il y a beaucoup de phénomènes qui interviennent. La naissance notamment de l'opinion publique, la pression de l'opinion publique, et puis l'apparition des médias, puis jusqu'à aujourd'hui, évidemment, tout ce qui fait que les relations internationales sont devenues beaucoup plus transparentes, et donc la possibilité de mener des négociations devient plus complexe, puisque les négociateurs sont beaucoup plus exposés. Comment ça s'est fait ? Ça s'est fait par étapes. Et à partir de quand est-ce qu'on peut dire que la diplomatie est devenue vraiment un travail vraiment très, très difficile ? Alors, c'est une question énorme. Vous la développez longuement dans votre poste. Oui. Et je crois qu'elle vous intéresse beaucoup. Hein. Elle intéresse tout le monde. Mais d'abord, il y a le choix. C'est pas tout le temps la diplomatie. En haut, il y a des gens qui décident des politiques à mener par rapport à tel ou tel pays. Et on a la diplomatie pour ne pas avoir que la guerre. Il y a aussi le choix entre guerre et paix, affrontement. Donc la diplomatie n'intervient que quand on se dit on est en désaccord avec ce pays, mais en discutant, on peut trouver une solution. Donc ce n'est pas tout le temps la diplomatie. Même à l'époque, il y a eu quand même, on a parlé du 19e, mais il y a eu la guerre de Crimée quand même, vous voyez. Donc, il y a des moments où il y a des guerres. Mais à un moment donné, il faut trouver une solution politique. Mais encore une fois, ce n'est pas du travail de diplomate professionnel, c'est une décision au-dessus. On va traiter ça par la diplomatie. Donc on prend les professionnels. Alors des fois, il y a des gens qui sont un mélange, ce qu'on a dans le livre, qui sont à la fois des grands diplomates, des grands politiques, des grands négociateurs, et puis j'essaie d'obtenir le résultat. Bon, je viens à votre question. Il y a toujours eu un peu d'opinion. Pas beaucoup. Mais par exemple, quand les rois de France, Jean-François Ier, qui était pris en étau par les Habsbourg, tout le côté Allemagne, Autriche, Belgique, et puis d'autre part, l'Espagne, ils cherchaient des alliés. Donc ils sont alliés avec l'Empire ottoman. Aux yeux des gens, c'était monstrueux. Monstrueux, pire que d'être l'ami de Poutine demain matin. Hein. C'était monstrueux comme idée. Mais c'était que la cour. Donc il y avait un parti espagnol à la cour, et il y avait un parti ultra-catholique, ultra-traditionaliste, etc. Bon. Ou alors il s'était même allié avec des princes allemands protestants, alors que le parti catholique était contre ça, contre la politique réaliste, en fait. Mais c'était petit. Le roi était le roi, il pouvait quand même trancher. Mais ça n'a jamais... Il n'y a presque aucun moment où ça n'existait pas. Peut-être sous Louis XIV, et encore, pas tout le temps. Il n'y a pas de mouvement d'opinion. Il y a simplement des ligues, des partis, des forces courants, des gens, qui s'exercent sur le... Le frère du roi qui n'est pas d'accord fait des machins comme ça. Bon, ouais. Comme on voit dans Alexandre Dumas. Voyez. Mais après, l'opinion se développe, évidemment, dès qu'il y a la presse. Donc là, on est en 1850. Quand il y a le télégraphe. 1850, hein, 1860. Le télégraphe. Dès qu'il y a... Alors la radio, a fortiori. Donc après, c'est exponentiel. Alors, traditionnellement... Les diplomates travaillaient dans le secret, parce que de toute façon, il n'y avait rien d'autre que le secret. Et
Et puis quand vous négociez sur un truc sensible, il est évident qu'au début, si c'est transparent, ça s'arrête. Regardez aujourd'hui, si on prend n'importe quel sujet atrocement sensible, l'Ukraine, Proche-Orient, si c'est public aussitôt, ça s'arrête dans la seconde. Parce que c'est les gens les plus furieux, les plus partisans, les plus engagés, c'est eux qui vont être contre. Bon, donc les diplomates, à la fois parce que c'était l'évidence, c'est par nécessité professionnelle et par expérience et intelligence, il faut pouvoir commencer, en tout cas, à travailler dans le secret. Même si à un moment donné, il faut expliquer. Il faut dire, voilà les conclusions. Alors, par rapport à votre question, la réponse, c'est ça fait assez longtemps que c'est compliqué, mais ça n'a cessé d'augmenter. Par exemple, quand, dans le dernier siècle de l'Empire ottoman, il y a eu énormément de batailles entre l'Europe chrétienne, telle qu'on l'a présentée à l'époque, et les Ottomans. Chacun des deux s'accusant de massacres monstrueux. Et par exemple, on se rappelle de Byron. Alors Byron, c'est une sorte de Kouchner d'avant, vous voyez. Il intervient parce qu'il y a des massacres. Et le début d'opinion européenne à l'époque est déchaîné contre l'Empire ottoman, qui est la chose la plus atroce qu'on ait jamais vue. Bon. Il y a des mouvements d'opinion. Et quand les ministres de l'époque ou les rois de l'époque se disent qu'il faut quand même, à un moment donné, arrêter les combats, trouver un compromis, ça commence à devenir difficile. Mais ça n'a rien à voir avec notre époque. Parce qu'après, donc, il y a la radio, dont Roosevelt fait un très bon usage, mais Hitler aussi. Après, vous avez la télévision, vous avez les sommets, l'image, et c'est à partir de la... Disons, c'est Kennedy qui est un point de repère. Non pas qu'il ait négocié des grands trucs, mais ça peut de là que les personnages sont ultra védétarisés et glamourisés. Alors après, vous êtes dans cette espèce d'époque contemporaine où l'obsession de la transparence est considérée comme vraiment supérieure, morale, pour empêcher les horreurs d'avant. Bon, alors ça empêche des horreurs, mais ça empêche des tas de bonnes choses aussi. Je parle en diplomatie. Hein. Et donc, aujourd'hui, c'est très compliqué. Déjà, quand j'étais ministre, bon, il y a un certain temps, je disais à mon équipe qu'il faut séparer deux choses. On est censé mener la politique étrangère de notre pays. Il faut savoir qui on est, d'où on vient, quels sont nos intérêts vitaux, quel est l'objectif à long terme, sur quoi on peut faire des compromis ou pas du tout. Ça, c'est le truc. C'était mon job comme ministre de cohabitation, donc en intégrant l'approche de Chirac, de Jospin, etc. Puis j'avais été 14 ans dans la potion magique Mitterrand, dont je savais un peu tout. Bon. Ça, c'est une partie du job. L'autre partie, c'est gérer la réaction de l'opinion à la veille. Il y a forcément eu la veille, deux ou trois horreurs quelque part, ou des attaques. Et c'est encore, c'est avant les réseaux sociaux, qui sont vraiment les égouts à ciel ouvert. Hein. Bon. Donc, il y avait déjà deux jobs. Savoir ce qu'on veut, répondre un peu, calmer, expliquer, mais ne pas se laisser dévier. Garder l'axe sur notre étoile. C'est très compliqué de faire des deux jobs. Alors après, chacun d'entre vous est libre, en regardant les dirigeants européens ou Trump ou Biden, savoir si l'équilibre est maintenu ou pas. Mais moi, je reste classique, pas archaïque, classique, professionnel. Je pense qu'il faut maintenir ou rétablir les espaces de confidentialité relative pour démarrer des discussions quand il y a un compromis difficile en vue. Évidemment, c'est la démocratie, donc faut expliquer le résultat après. Il y a une guerre à Gaza en ce moment, et donc évidemment, on se réfère à toute la longue histoire du conflit du Proche-Orient. On a parlé de Kissinger, donc, dont un des grands succès avait été donc, cette diplomatie de la navette qui avait permis de régler quand même la relation. Il n'a pas fait grand-chose. Hein. Enfin, il a permis quand même de régler, de permettre la réconciliation entre Israël et l'Égypte. Et puis ensuite, donc plus tard, bien plus tard, on a eu les accords d'Oslo, qui eux, alors pour le coup, ont été négociés par le biais de toute une partie invisible par l'opinion, qui étaient ces fameuses discussions en Norvège, qui ont permis aux Palestiniens et aux Israéliens, avec des médiateurs, de discuter, alors là, pour le coup, à l'abri de l'opinion publique et puis de leur propre, je dirais, des extrémistes de chaque camp. Voilà. Alors, comment est-ce que ça a évolué sur le conflit israélo-palestinien? Est-ce qu'on, entre la période Kissinger, la période d'Oslo, et puis aujourd'hui, est-ce qu'il est encore possible d'imaginer un compromis? Non, mais attendez, Kissinger n'a pas fait grand-chose en réalité. Le président Carter a eu des vrais résultats, justement, sur l'Égypte. Avec donc Zbigniew Brzezinski. Begin, Sadat, Bush père a vraiment essayé.
Clinton presque pas, un peu à la fin. Bon, mais vous avez raison de parler du travail magnifique des Norvégiens. En plus, ils sont pas prétentieux. Ils prétendent pas avoir une mission universelle. Ils ont fait un travail magnifique pour préparer. Mais ça ne fonctionne pas si vous n'avez pas avant une décision politique très courageuse. Et dans l'histoire d'Israël, les Israéliens qui se sont résignés à un moment donné à ce qui est quand même un État palestinien, Yitzhak Rabin, après avoir réprimé les Palestiniens terriblement, se sont résignés, une petite minorité très courageuse. Ils en avaient contre eux énormément de fanatiques. Et du côté arabe, Sadat avait conclu qu'il fallait faire la paix avec Israël. Il est assassiné par un islamiste égyptien. Yitzhak Rabin est assassiné par un fanatique israélien qui était dans un des deux partis extrémistes représentés dans le gouvernement de Netanyahou aujourd'hui. Alors il y a eu Rabin. Alors je les ai tous connus, moi, les gens du processus de paix. Rabin, Shimon Peres, Olmert, Ehud Barak et même Sharon à la fin. Ils s'étaient résignés. Ils ont compris qu'ils ne pouvaient pas régler la question palestinienne par uniquement la répression. Ils avaient admis qu'il y avait une question palestinienne, alors que l'idée avant, c'est qu'il n'y en avait pas, et que ceux qui en parlaient étaient des salauds d'antisémites, tatata, bon. Et donc les gens du camp de la paix ont dit, on va de ces conneries, il y a un vrai problème à régler. Et du côté arabe, palestinien, notamment, c'est une minorité qui s'était résignée à ce qu'il y ait l'État d'Israël. Ils ont d'ailleurs été menacés. Arafat n'a pas été assassiné parce qu'il a réussi à être confus, filandreux, pour calmer toutes ces composantes, là. Mais plusieurs de ses copains ont été assassinés. Alors ça a duré une quinzaine d'années. Moi, j'étais mêlé à tout ça. Et c'est là où, à partir de la décision de Rabin et d'Arafat, les Norvégiens ont pu faire un travail magnifique qui a conduit aux accords d'Oslo, puis... Mais surtout un travail discret, parce que c'est... Oui, non, je suis d'accord, on l'a dit. Un travail vraiment très discret, oui. Mais ils n'auraient pas eu à travailler si Rabin et Arafat n'avaient pas pris la décision. Donc c'est pas les diplomates comme ça, vous voyez. Donc il y a une combinaison politique. Donc décision politique, et ensuite on se débrouille pour avoir des bonnes conditions de négociation à l'abri Pour passer de l'idée à « on n'acceptera jamais Israël », position de départ, à « bon, il faut accepter Israël si on obtient un État ». Mais c'est une décision politique, ça. C'est pas de la diplomatie. Pour passer de l'idée israélienne « jamais d'État palestinien », d'ailleurs ça veut rien dire les Palestiniens, à « si quand même, il faut un État ». C'est une décision politique que Rabin a payé de sa vie. Une décision politique. Après, quand il faut commencer à travailler, ben on commence à discuter. Donc pas de paix en vue au Proche-Orient sans l'émergence, et du côté palestinien et du côté israélien, de personnages qui vont endosser une politique. La réémergence. La réémergence. Parce que Netanyahou, après, qui est, à mon avis, effrayant, mais brillant, habile, il a eu des gouvernements de plus en plus extrémistes en disant « il n'y a pas de problème palestinien, ça n'existe pas ». Donc il n'y a pas à négocier. D'ailleurs, on ne peut pas parce qu'il n'y a que des monstres en face. Mais, ce qui est vrai à la fin, mais Ehud Barak, l'ancien Premier ministre, travaille, je ne parle même pas des idéalistes du camp de la paix, hein. Ehud Barak a dit « mais Netanyahou a tout fait pour qu'il n'y ait pas d'interlocuteur. Il a tout fait pour que l'autorité palestinienne, qui est par ailleurs nulle et corrompue, mais enfin, ce n'est pas l'explication principale, pour qu'il n'ait pas l'argent prévu, pour que les accords de Oslo ne soient pas appliqués, donc qu'ils soient rejetés. Il a tout fait pour que ce soit le Hamas. » C'est Ehud Barak qui dit ça, l'ancien Premier ministre travailliste. Et donc, il dit il a tout fait pour que les Palestiniens soient dans une situation infernale, l'enfer. Bon. Sauf qu'ils n'avaient pas anticipé... Avec Trump qui faisait les accords d'Abraham, on se servant du fait que les gouvernements arabes en avaient ras-le-bol et voulaient normaliser avec Israël, et ils n'ont même pas demandé un arrangement politique pour les Palestiniens. Et l'Arabie avec MBS, Mohamed Ben Salman, était prêt à conclure ça. Donc ils ont apporté la bombe à retardement de Gaza sur un plateau aux Iraniens. Alors, l'histoire des deux États était morte, hein. Elle n'est pas morte le 7 octobre, elle était morte depuis 15 ans. Mais moi qui suis resté en contact, je vois que à la fois Biden à la Maison-Blanche et pas mal d'Israéliens, il y a beaucoup d'anciens militaires dans le camp de la paix. Des gens qui disent on ne peut pas régler la question que militairement, il faut un accord politique. Ces gens se disent, puisque les Israéliens
ont constaté que la politique la plus dure, la plus impitoyable avec les Palestiniens, le blocus de Gaza, tous les trucs, plus la Cisjordanie, avec des colons très très violents quand même, pas tous, une minorité dans les colons, puisque cette politique-là n'a même pas garanti la sécurité, sinon il n'y aurait pas eu l'attaque du Hamas. Et ils se disent que les Israéliens vont peut-être redevenir disponibles pour un processus politique. Et d'ailleurs, il y a 3 semaines, il y a eu un sondage étonnant dans lequel 25% des Israéliens veulent virer tous les Palestiniens. Bon, traumatisme du Hamas, hein, normal. Mais il y en a plus de 30% qui acceptent l'idée de 12 États. Alors qu'ailleurs, on dit non, c'est mort. Non, c'est pas mort. C'est des morts. Donc un bon tiers. Ah oui, c'est courageux, enfin, c'est bien. Et Biden attend ça, lui. Biden, qui n'a aucune raison du point de vue américain. Et puis l'Amérique est complètement derrière Israël. Pour les Américains, les Israéliens, c'est des Américains. Et les Palestiniens, c'est des peaux rouges, quoi, en gros. Et donc, ils résonnent comme pendant les guerres indiennes. Mais Biden, il soutient Israël, comme les États-Unis tout le temps. Mais il dit, il faut trouver une voie vers un État palestinien. Alors, tout ça s'écroule. Hein. Trump arrive et balaye tout ça. Soit Netanyahou y arrive, il reste, il fait durer la guerre, exprès, jusqu'à l'arrivée de Trump. Et puis, ils finissent par décourager les Palestiniens qui fichent le camp en Jordanie ou en Égypte. Ça, c'est la victoire de la colonisation la plus brutale. Bon. L'autre hypothèse des islamistes déchaînés, c'est de virer tout Israël. Bon, ils n'y arriveront jamais. Donc, il reste entre les deux un cheminement fragile. Mais je voulais vous dire ce soir que ce n'est pas complètement insensé. C'est très fragile, mais peut-être. D'ailleurs, le général Gantz, qui est un général très dur. Normal, il faut rassurer les Israéliens. Donc l'adversaire de Netanyahou, hein. Qui est dans le cabinet, pas dans le ministre, le gouvernement, dans le cabinet de guerre, hein. Qui est hyper populaire. Hein. Alors que la popularité de Netanyahou s'est effondrée. Enfin, il est toujours là, il s'en fiche, il s'accroche. Et il a été reçu à Washington comme un premier ministre. Donc on voit bien que les États-Unis attendent ça. Prépare la suite. Ils espèrent. Oui. Alors, donc on a... On ne parle pas de ça dans le livre parce que non. Ça, c'est avant la création d'Israël. Et... Ce dont on peut dire un mot, c'est donc il y a dans la galerie de portraits, dans les 20, il y a 2 secrétaires généraux des Nations Unies. Oui. Il y a Kofi Annan et il y a Boutros Ghali, donc l'Égyptien. Et donc Kofi Annan, le Ghanéen, donc 2 des récents secrétaires généraux, l'actuel étant Guterres, le Portugais. La communauté internationale, vous dites souvent que c'est un peu une fiction. Donc, et quand on parle du conflit israélo-palestinien, alors là, quelle est vraiment l'influence des Nations Unies sur ce conflit, puisque toutes les résolutions qui ont été prises depuis des dizaines d'années ont rarement été respectées. Donc pourquoi avoir, est-ce que c'est un message là, d'avoir placé 2 secrétaires généraux de l'ONU dans cette galerie de diplomates qui donc eux sont censés représenter la communauté internationale et qui donc par définition n'ont pas d'intérêt nationaux comme tous les autres. Hein. Alors disons que c'est une concession à l'idée du livre. Si c'était un livre que réaliste, il ne serait pas là. Ah, donc vous ne vouliez pas au départ avoir les deux secrétaires généraux ? Non, mais... On vous a convaincu de les mettre ? Bon, c'est pas son intérêt parce que d'abord, c'est l'Europe qui a conduit le monde pendant des siècles. Donc ce sont des Européens, les autres. Mais quand on met Boutros Ghali, c'est un copte, un Égyptien d'origine copte. Donc minorité chrétienne. Ancien secrétaire général de la francophonie, d'ailleurs, aussi. Hein. Par ailleurs. Et d'autre part, Kofi Annan, c'est un Ghanéen. Bon, je les ai très bien connus, tous les deux. Bon. Mais donc, c'est pas mal de mettre 2 personnages qui sont à la transition entre les deux mondes, même si je continue à dire que la communauté internationale est un objectif. Pas une réalité aujourd'hui, je me suis pour. Hein. Je suis pour qu'on l'a créé. Un objectif ou une utopie ? Non, non. Non, c'est pas exclu que, à un moment donné, notamment autour des questions écologiques. Oui, vous dites que la COP, ça va être l'enceinte la plus importante. Progressivement. Ouais. Parce que finalement, au-delà des questions géopolitiques, il y a la question de la survie quand même. Ouais. Est-ce que la Terre est encore habitable dans 4-5 générations ? Pour le moment, on n'est pas sûr. Bon. Donc la COP 29, c'est beaucoup plus important que l'Assemblée générale de l'ONU. Quoi. Ça va devenir plus important. Alors il y a toujours l'Assemblée générale, le G20, les BRICS, tout ça. Mais mon pronostic, c'est que les bagarres vont se concentrer de plus en plus autour des COP. Voilà. Donc, c'était pas sans intérêt de mettre 2 personnages
très séduisant, très intéressant. Les deux articles sont très bons, les deux portraits, et qui était en même temps très réaliste. Moi, j'ai travaillé avec eux. Donc, ils ne représentaient pas l'utopie. Ils ne prétendaient pas que l'ONU avait été créée pour régler les problèmes du monde. Ce sont l'EU et de trop dans l'ONU. Les nations ne sont pas unies. Bon. Donc, Boutros Ghali, puis Kofi Annan, par exemple. Un jour, pour vous montrer comment il fonctionnait. Il me dit un jour, tu sais, tout le machin en France sur le droit d'ingérence, c'est totalement impopulaire partout. Ce n'est populaire que dans les médias français, quoi, en gros. Et j'ai dit, oui, je comprends bien, mais moi aussi, je suis réaliste, mais enfin, je suis sensible à ce mouvement. Donc, on ne peut pas laisser des peuples se laisser massacrer par leur gouvernement. Bon, il dit, oui, mais dans la Charte des Nations Unies, il y a la souveraineté des États. Et s'il n'y avait pas la souveraineté des États, il n'y aurait pas d'ONU. Il dit, oui, il faut qu'on trouve une combine entre les deux. Elle dit, alors, il a inventé, ça s'est passé après moi, d'ailleurs, on a commencé avant, on va inventer un truc qui serait que les États, notamment les membres permanents du Conseil de sécurité, ont la responsabilité de protéger. Et c'était plus le terme ingérence, qui est un épouvantail pour tout le système onusien. Mais alors, même chose, si un État lui-même est fautif et ne veut pas protéger, on ne peut pas le forcer. Mais on ne peut pas inventer que les Martiens arrivent et gouverne la Terre. Je ne sais pas si ça serait bien, d'ailleurs. Bon. Donc, c'est pour vous dire que, même dans ces fonctions qui peuvent porter à l'utopie, Kofi Annan et Boutros ont été le mieux possible, on va dire, comme Guterres aujourd'hui. Donc, c'est pas mal de compléter notre... Mais vous considérez qu'il n'exerce que le ministère de la parole, ou est-ce que le fait d'avoir la capacité, par exemple, d'envoyer des casques bleus dans un conflit, ça leur donne quand même un poids Attendez, les casques bleus, c'est pour le maintien de la paix. Donc, quand la paix est établie, on peut pas envoyer des casques bleus à Gaza, là. Le maintien de la paix. Bon, d'autre part, le secrétaire général, c'est la parole, mais ça peut compter. Sauf dans les rares cas où les cinq membres permanents sont d'accord pour voter une résolution. Alors là, ça fonctionne. C'était le cas pour la première guerre Irak. C'est arrivé quand même. Hein. C'est arrivé. Même sur le Rwanda, qui a été controversé pour de mauvaises raisons, était la résolution qu'a créée Turquoise en demandant à la France et au Sénégal d'agir, c'est unanimité Conseil de sécurité. L'intervention décidée par Hollande à juste titre au Mali pour bloquer l'avancement djihadiste sur Bamako, il y a un accord du Conseil de sécurité. Alors quand les cinq membres permanents sont d'accord et qu'il n'y a pas de veto, le secrétaire général a beaucoup de force sur la sécurité. Mais c'est rarement le cas, parce qu'en général, le veto américain pour protéger Israël, le veto russe, etc. Donc c'est rare, mais bon, c'est pas une raison pour jeter le truc à la poubelle, parce que, imaginez, même moi qui dis que les nations sont pas unies, et que l'EU est de trop, bon, même si on enlève l'ONU, le monde n'est pas mieux. Hein. Donc il faut le garder, ne pas avoir d'attente irréaliste, et ne pas dire l'ONU m'a déçu, c'est horrible. D'autre part, il y a tout le système des institutions spécialisé, qui est vraiment bien. L'UNESCO, l'OMS, tous ces trucs. Alors, c'est monstrueusement bureaucratique, mais à la fin des fins, ils sont utiles. Ils sont utiles. L'UNRWA, donc à Gaza, d'ailleurs, qui est contesté par les Israéliens. Oui, ils sont contestés pour l'UNICEF, d'autres raisons. Oui. Donc, tous ces bras armés, entre guillemets. Pas armés, justement. Pas très armés, justement, oui, de l'ONU. C'est des bras désarmés. Ouais. Non, mais c'est bien ce qu'ils font. Alors, l'heure tourne, je suis désolé, mais donc je voudrais terminer peut-être quand même sur. Vous avez, le livre se termine sur Lavrov. Alors, je voulais quand même un mot sur Lavrov, parce qu'on est en pleine guerre d'Ukraine. Ça fait 2 ans que ça dure. C'est pas prêt de s'arrêter, manifestement. Alors, on nous explique que Lavrov est un grand diplomate. Bon, moi, je veux bien. Ça fait 20 ans qu'il est là, donc il a la longévité. Mais enfin, ce qu'on voit bien, c'est que c'est pas un concepteur de la politique russe aujourd'hui. Il est plutôt celui qui exécute. Je dis presque servilement la politique de son chef. Alors c'était normal de le maintenir dans ce livre. Alors moi je pense que ça aurait été un manque de pas le mettre, parce que d'abord il est là. Il y a déjà un Russe, hein, il y a déjà Molotov, hein, donc oui, mais déjà un Russe. Le vieux ça. Ouais. Mais il est là depuis 20 ans. Alors comme par ailleurs, je le dis dans la troisième partie, il y aura de moins en moins de grandes figures comme ça. Ils n'auront pas le temps de s'installer. Alors les personnages, ils ont fait... Oui, ils ont tous été là longtemps, enfin pas... 20 ans, 30 ans, 40 ans. Ouais.
Même ouais. Kissinger qui passe... Bismarck, c'est hein, voilà. Oui. Donc, Lavrov, c'est quand même intéressant pour réfléchir sur le, par comparaison, sur le fonctionnement des démocraties, parce qu'il a depuis une vingtaine d'années. Alors, évidemment, si on est manichéen... Mais c'est un exécutant, c'est ça que je veux dire. C'est plus qu'un exécutant, c'est quand même un grand professionnel. Oui, alors, oui, oui. Mais... C'est Lieberman qui a fait le papier, l'interview, pardon, la biographie, la petite biographie. Elle l'a connu à New York. Elle l'a vu comment il fonctionnait au Conseil de sécurité. C'est un vrai métier, quand même. Hein. Alors, comme l'Europe, aujourd'hui, est en phase manichéenne, que Poutine, c'est un nouvel Hitler, et que tout est mal, il n'y a pas d'analyse, en fait. Il y en a aux États-Unis. Les États-Unis sont moins manichéens, même sur Ukraine. Hein. Donc, il y a plein de think tanks qui réfléchissent à la Russie d'aujourd'hui, la façon dont on a traité la Russie depuis 30 ans, les occasions manquées ou pas manquées, bon, ça dépend des points de vue, et sur l'avenir. En Europe, non, aujourd'hui. Donc, pour des raisons presque de pédagogie politique, on dit, bah, regardez, même si Lavrov n'est pas le concepteur, parce que les décisions sont prises par Poutine, mais enfin, partout, les décisions sont prises par le numéro 1, en fait. Donc, regardez quand même, même si vous êtes révulsé par l'Ukraine, par la façon dont ça fonctionne, regardez comment ça fonctionne. Et quelque part, il y a un léger handicap quand même des démocraties aujourd'hui, pas à cause de Poutine, parce que quand Poutine attaque, au contraire, on est dans le camp du bien, donc on se sent mieux, mais dans le fonctionnement interne, avec des gouvernements trop fragiles, harcelés par la transparence tous les matins, qui changent de ministre tout le temps, rongés par les réseaux sociaux. Alors même si on n'a pas du tout envie d'adopter un système russe ou chinois, on aurait mis un chinois s'il y avait un chinois qui était en poste depuis 10-15 ans, on l'aurait mis. Mais oui, il y a Chuen Lai, hein. D'avant. Voilà. Mais il n'y a plus de Chuen Lai. Très beau chapitre sur Chuen Lai. Hein. Oui, un grand personnage. Mais il n'y a pas de Chuen Lai aujourd'hui. S'il y avait eu un Chuen Lai aujourd'hui, numéro 2 de Xi. Hein. En Chine, les ministres des Affaires étrangères disparaissent d'ailleurs, comme les ministres de la Défense. Ah oui. Hein, on ne sait pas trop. Hein. J'ai l'échappé belle. Vous auriez été chinois. Je ne sais pas si on serait là en train d'en parler. Ouais. Mais alors donc, mais pour rester sur une dernière fois sur l'Ukraine, bon, Ukraine-Russie, bon, ça fait 2 ans que ça dure. Bon, il y a bien un moment où il faudra que les diplomates interviennent. Non, non, quelles sont les conditions qu'il faudra réunir pour Pour des décisions politiques. Ouais. Mais les diplomates, ils arrivent après. Et comment voyez-vous les choses là, même si personne n'est Madame Soleil. Mais... Alors moi, je suis de l'avis des réalistes américains, Kissinger, Brzezinski. Je pense que l'Occident a une politique, pas la bonne politique, dans les 10 premières années après la fin de l'URSS, mais je remonte à la décennie 90. Donc je pense que l'Occident n'a pas été assez stratège, rusé et inclusif avec la Russie au début. Et Kissinger disait on n'a fait aucun effort. Ils sont rentrés dans le G8, ils sont rentrés à l'OMC. Pour intégrer la Russie dans un ensemble de sécurité, ce n'était pas par amour de la Russie, hein, pour des raisons de sécurité. Si on ne veut pas qu'ils reviennent dangereux, il faut les intégrer dans un truc. Mais à l'époque, l'Amérique disait « on s'en fiche complètement, on a gagné, on est les maîtres du monde, on ne va pas s'occuper de tous ces petits problèmes partout. Bon. » Et en revanche, dans les 10 dernières années, je pense qu'on n'a pas été assez dissuasif. Bon, voilà, c'est ma ligne. Mais en revanche, depuis l'attaque de 2022, qui est épouvantable pour l'Ukraine, mais une erreur monstrueuse pour la Russie à long terme, j'ai jamais varié. Je suis d'accord avec Biden. Il faut empêcher Poutine de gagner. Mais je ne prends pas la rhétorique guerre générale et je ne suis pas sur la ligne polono-balte et compagnie et des médias français sur « faut oser affronter Poutine, faire la guerre plus loin de ça ». J'en reste à la ligne... Et celle du président Macron depuis le 26 février ? Alors je ne sais pas s'il l'a fait par conviction pour envoyer un électrochoc aux Européens, pour leur dire « ça peut devenir vraiment grave oh. ». Et s'il pense que ça va devenir vraiment grave, à mon avis, la réaction normale... C'est de dire aux États-Unis, Biden a dit depuis le début, on empêchera Poutine de gagner. L'an dernier, on croyait que l'Ukraine allait gagner. Elle n'a pas gagné. On a peur maintenant que l'Ukraine s'effondre. L'Amérique doit assumer. Donc je trouve bizarre que un peu dangereux même, que les Européens se réunissent entre eux pour s'accuser mutuellement de ne pas faire assez, alors qu'on est complètement comme ça, baba devant les États-Unis, en disant Biden est coincé, Trump va revenir, bon, tant pis. C'est une erreur, parce que ça nous amène à faire à l'Ukraine des promesses mensongères.
L'adhésion à l'Union européenne, ça, à l'OTAN. Encore une autre. Mais les Européens ne peuvent pas par eux-mêmes rétablir l'équilibre des forces en Ukraine. Si on veut rétablir et que Poutine soit obligé d'arrêter, il faut des avions américains, des missiles américains. Alors on dit, ben ouais, mais ils veulent pas. Enfin, c'est grotesque. C'est la même alliance. Les États-Unis ne sont pas en Europe depuis 1949 pour des raisons caritatives. C'est pas une ONG. C'est pas une compagnie d'assurance. C'est la États-Unis puissance mondiale, numéro un. Et s'ils n'arrivent pas, je sais pas ce qu'ils vont faire, hein, mais c'est ma position. Si Biden n'arrive pas à débloquer le truc et à réarmer l'Ukraine un peu plus, ils pourront jamais impressionner la Chine. Alors les Républicains sont dans un trip tellement régressif, fermé, qu'ils ne comprennent pas. Mais on n'est pas à la fin de l'histoire. Et Trump n'est pas encore là. Il sera peut-être élu, mais il n'est pas encore élu. S'il est élu, c'est novembre. Maison-Blanche, janvier. Donc il y a quelques semaines décisives, selon moi. Alors les scénarios, soit l'Ukraine tient quand même. Poutine attend l'arrivée de Trump, comme Netanyahou, hein. Et puis, à un moment, Trump arrive, il dit qu'il faut arrêter tout ça. Et il oblige l'Ukraine à s'arrêter, parce que si l'Ukraine n'a plus le soutien américain, les armes et l'aide logistique, les informations, ils sont obligés d'arrêter. Mais ils n'obligeront jamais l'Ukraine à signer. Donc on peut imaginer peut-être Trump, voire même Biden avant, disons aux Ukrainiens, c'est plus raisonnable d'arrêter là où on en est, même si les Ukrainiens, en tout cas ceux qui sont sur la ligne Zelensky, c'est pour eux, c'est un crève-cœur que Poutine garde le Donbass, quoi, et la Crimée. Mais ils ne pourront pas obliger, pour des raisons morales et politiques, l'Ukraine à signer un traité. Donc même si je peux imaginer, en réponse à votre question, un arrêt des combats, je ne vois pas une négociation. Et je vois encore moins de solution. Donc alors, un gel, une guerre gelée. Un certain temps. Parce que des éléments qui changent. Et que alors ils ne peuvent pas négocier directement. La guerre est trop atroce en plus. Poutine n'a pas intérêt. Et du point de vue ukrainien, c'est atroce. Mais même si un arrêt des combats, vous verrez d'autres pays, comme la Turquie, comme l'Inde, peut-être la Chine, qui avait fait un plan de paix, qu'on avait balayé, mais bon, ça peut revenir. D'autres pays, le Brésil, qui diraient, on va essayer de voir comment ils peuvent coexister, quoi. Bon, on espère dans les BRICS. Scénario magnifique. On espère dans les BRICS. Hein, la médiation pas les BRICS. En tant que groupe. Ouais, dont la Russie fait partie. Ils sont rongés par la rhétorique anti-occidentale. Mais des pays qui voudraient se rendre intéressants par rapport à ça. Bon, on verra. C'est pas miraculeux ce que je raconte, mais bon. Bon, écoutez, en tout cas, réel, hein. On a un petit peu débordé de.